Salut tout le monde! Bienvenue sur ma chaîne, encore une fois! I'm not done yet, we're just getting started, yeah. You thought I would let it go, you know how I love to show. You wanna be cool, I know I could show you. You wanna fit in, but still doesn't want to fit in. Comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Moi je vais super bien, merci de demander. Alors comme vous le constatez, encore une fois, je suis pas à la maison, je suis chez ma soeur. Franchement c'est un truc qu'on aime trop faire depuis qu'on a toutes les deux des enfants. Quand je sais que j'ai rien de prévu, rien de spécial de prévu comme ça, ben, j'aime bien venir genre juste chiller là avec mon fils chez ma soeur. En plus c'est cool parce que ça m'aide à filmer. Parce qu'à la maison c'est vraiment pas facile de filmer quand je suis toute seule avec Caïs et tout. Parce que voilà, soit bah, mon mari il travaille, ou soit bah voilà, il a des obligations dans la journée, dans l'après-midi. Et bah je me retrouve toute seule avec Caïs. Et pour faire. Enfin, et c'est pas du tout pratique pour moi d'être seule à la maison avec Caïs quand je veux filmer ou quand je dois filmer. Voilà. Venir chez ma soeur, c'est une belle option parce que du coup, bah elle gère les enfants. Et souvent il y a ma maman qui est avec nous aussi. Donc elle gère les enfants et puis moi bah du coup je peux faire ma vidéo. Et en plus de ça c'est tout bénef, tout bonus, parce qu'il y a une super lumière chez ma soeur. Voilà, là je suis au balcon et il y a un soleil de fou. Du coup pour la vidéo d'aujourd'hui, je vais juste vous présenter ma nouvelle make-up routine. Après on s'entend, vous connaissez, j'aime pas avoir de make-up routine. Donc en gros je vais jamais vraiment utiliser le même make-up. Enfin je vais jamais toujours faire le même make-up, toujours. Donc en gros j'ai pas vraiment de routine, mais en tout cas j'ai un make-up spécifique. Et pour par exemple quand j'ai pas envie d'être maquillée, quand il fait trop chaud, quand nanana, voilà. C'est une sorte de get ready with me, make-up routine, oh nanana, tout un petit peu mélangé. Je sais pas ce que ça va donner avec toute cette lumière. Mais je dis pas non. Regardez l'installation que j'ai faite. Et j'ai pris tout mon make-up avec moi. Smart little girl. Allez, c'est parti. Donc du coup, il y a Caïs qui dort. Mais là, celui-là, là, qui est derrière moi, là. Lui, il veut pas dormir, lui, genre. Tu veux te maquiller avec moi à côté de moi? Ouais. Tu veux te maquiller avec moi à côté de moi, toi? Allez, viens te maquiller avec moi. Si, j'ai mangé. Bon alors je vais commencer, puis si elle veut venir, elle me rejoindra, elle me rejoindra. Oh my god, it's so hot. Oh my god, I cannot. Like, wow, it is extremely hot in here. En fait, je suis grave pas respectée moi, voilà, mais bon, c'est pas grave. Le micro shading et blading que j'ai fait, en vidéo d'ailleurs avec vous, m'a grave changé la vie. Je sais pas si vous vous souvenez de mes sourcils de l'époque, mais ça n'a plus rien à voir. Ouais, oh my god, c'est trop bien parce qu'en fait je déteste quand je dois faire des vidéos trop seule. Pourri. Pourquoi? Comment ça il est pourri? Pourquoi? Je sais pas, j'aime pas du tout ce. Mais il est noir ou pas? Oui il est noir. Ah, pourquoi tu dis qu'il est pourri? Parce que je l'aime, parce que je l'aime pas. Ski pas d'abord, ski pour le beau. Et si t'as de la gote to be, tu peux me prendre? Bref, je disais donc, je suis trop contente que je finisse pas par faire cette vidéo toute seule parce que ben j'ai perdu l'habitude de vous parler un peu toute seule. Mais j'ai l'impression que j'entends mon fils tout le temps. Non, j'y étais, il dort. Du coup, pour mes sourcils, bah, comme je vous ai dit, j'adore mes sourcils micro-shadés et micro-bladés. Mais il faut quand même que je les maquille un petit peu quand j'ai envie de me faire un maquillage. Parce que sinon il y a un contraste qui n'est pas très crédible si je ne le fais pas. Je passe un peu de Ebony, ça c'est de Anastasia Beverly Hills. Voilà. Mais oui, alors allez-y, hein. Faites plus fort. Ouais. J'ai envie de parler du mariage parce que j'ai l'impression que j'ai beaucoup de choses à vous apprendre ou à vous... Pas vous apprendre parce que je suis personne pour vous apprendre quoi que ce soit, mais en tout cas à partager avec vous et voilà, à discuter, tu vois, comme ça. Mais en même temps, c'est un sujet très très intéressant. Donc je pense que ça en vaut la peine d'en faire une vidéo, juste sur le sujet, quoi. Au lieu d'être là, de me maquiller en même temps, tu vois, c'est pas sérieux, tu vois. Donc là, vous avez vu, j'ai juste repassé dessus et il n'y a pas vraiment de forme parce que
Parce qu'il n'y a pas encore de forme. La forme, ça vient après avec le concealer. Vous remarquerez, ma perruque n'est pas très bien collée. Je le précise parce que moi, en vrai, je m'en fiche. Enfin là, pendant que je me prépare et tout, c'est pas du tout un problème. Mais je sais qu'il y en a qui vont être là, hein, qui vont vouloir chercher la petite bête et qui vont dire ah nia, sa perruque, sa perruque. Ma perruque n'est pas bien collée, c'est tout à fait normal. Voilà, on fait les choses à ma guise. Next étape, c'est qu'on va contourer les sourcils pour que justement, bah, il y ait plus de shape. Là, moi, j'utilise, mais ça, franchement, ce truc, ça doit faire 3 ans que je l'ai. Donc, c'est le NC50 de chez MAC, le concealer. Hein. NC50 de chez MAC. Allez, c'est parti. Attends, un truc vraiment que j'arriverai jamais à faire, c'est parler en même temps que je fais mes sourcils. C'est impossible. Il m'aime trop, Dieu, parce que Kay soit en train de dormir là et que j'ai un petit moment pour faire cette vidéo, c'est quand même un... J'allais dire un gros mot, mais c'est quand même un vrai miracle. Hein. Waouh! Bon, déjà, vous, je pense que vous voyez hein, la différence quand même. Faites pas genre. Ah, tchoum! Oup! Regardez qui est là. Je t'ai pas attendu. C'est dommage parce que je t'aurais bien donné un cours. C'est chaud. Il fait super chaud, ouais. Je sais pas si tu vas y arriver. Moi, je relève le challenge là. En gros, là, je crois même le titre de la vidéo, ça va être challenge make-up. Sous 70 degrés. Oh, t'es une grosse mytho. Ah bon, pourquoi? Pourquoi? Parce que t'as dit non, moi j'utilise le crayon. Ça c'est quoi? Eh, j'ai perdu mon crayon à sourcils. Sans ça, tu vois, oui, regarde, okay. Ok, mais tu l'as utilisé une fois que t'as dans ta vie, tu l'as acheté. Ça? Oui, parce oui, que bien sûr, mais non, t'as utilisé un truc et tu m'as dit. En ce moment, j'utilisais le crayon. Sauf que je sais pas pourquoi, je sais pas qui m'a piquer mon crayon à sourcils. Moi j'aime bien, je bronze là. Ma soeur elle déteste bronzer. Elle déteste bronzer. Franchement toi je sais même pas si un jour tu vas aller en vacances à la plage. Mais non, j'aime bien la chaleur, mais c'est vrai que rester trop longtemps au soleil. Oui, genre toi tu vas, de base. Toi genre tu vas pas aller en vacances au soleil et puis te promener en pleine journée au bord de la plage, genre. Pas une activité que tu pourrais faire. Si, je pourrais faire à bus. Là, le soleil il tape fort. Toi, t'es là, tu marches dans le soleil. Oui, mais justement, ça oui, mais pas rester sur place, genre oui, mais mettre mon linge. Ouais, mais tu bronzes quand même. Je suis une meuf tellement frileuse que j'aime bien la chaleur. Ah. Mais, genre, faire exprès de rester comme ça, c'est pas envie. Donc là, je suis en train d'éclaircir mes paupières. Moi, j'ai les paupières assez foncées, donc c'est un truc que je fais toujours dans ma routine. Je suis toujours obligée de m'éclaircir un peu les. Mais je trouve rien. C'est dingue. Eh, hey, mais cette chaleur, non. Non, moi je crois que j'ai pas. Ma routine elle est finie, j'arrête là. Non, mais franchement, ça sert à quoi d'aller plus loin? Je croyais que t'adorais, t'aimes bien, tu bronzes. Mais c'est pas que j'aime pas là, c'est juste que ça sert à rien de. Oh, ta maquillage, on dirait. Tu vas au mariage de Tantine Bijoux. Je citais personne, je connais même pas Tantine Bijoux, mais c'est que toutes les tantines en général elles s'appellent. Enfin, il y a toujours une Tantine Bijoux dans les contacts de ta mère. Si vous savez comment j'ai pas dormi. Et quand tu fais des nuits comme ça et ouais, que le père en question il ronfle à côté. Vous préférez quoi? Que votre fille, que votre fils, que votre enfant il fasse ses nuits, genre des nuits complètes. Le maquillage. Des nuits complètes la nuit, mais qu'il fasse pas du tout de sieste la journée, ou qu'il fasse des siestes la journée mais qu'il fasse pas trop sa nuit. Moi je préfère qu'il fasse pas de sieste la journée. Moi je peux pas de sieste la nuit. T'abandonnes déjà la mission. Waouh, that was quick. Franchement, je vais pas vous mentir, je vais vraiment freestyler là en fait. Et moi, je vais pas vous mentir, mais je vais me maquiller dans la salle de bain parce que franchement. Oh non, t'abandonnes déjà, mais t'es tellement nulle. Ça te ferait pas de mal un petit peu de couleur? Je trouve que t'es un peu pâle. Voilà, je regrette déjà d'avoir mis cette couleur parce que ça n'a rien à voir avec ma tenue. Ouf, quoi. Donc, c'est une couleur. Thank you so much. Thank you, assistant. Non, c'est pas drôle. Oh my god. Du coup, je disais... Take that, bitch. Du coup, ce soir, ma soeur et moi, on sort. Case, case. C'est ma palette. Nous aussi on est fâchés. Tu sais, nous aussi on est fâchés. Très fort. Contre ton père.
bon, j'ai oublié un pinceau super important. Moi, vas-y, c'est la dernière fois. C'est la dernière fois que je me ramène mes fesses ici avec mon fils. Pour faire des bêtises pareilles. Là, je vais mettre mon anti-cerne parce que quand même, vu que j'ai éclairci mes paupières, ça va faire un... Il va y avoir un petit souci. Donc, je mets un petit peu d'anti-cerne. C'est mon anti-cerne de chez NYX. Au calme. Si, si, frelot. Après, je viens de refaire une commande de Pretty Little Thing. Je savais que t'allais dire quelque chose. T'es vu en faire... Ah, sérieux? Non, mais je viens de refaire une commande parce que vas-y, j'avais commandé trop de trucs trop petits. Mais t'as rendu ou pas? Non. Mais t'es sérieuse? Mais j'arrive pas à rendre les trucs. Mais t'es sérieuse? Flemme, flemme. Mais ils vont te rendre l'argent. Ah ouais? Putain, mais non, mais. Non, bah, je vais donner. Là, quand t'as fait ton haul, il y avait des. C'était joli. Ouais. Mais genre, va les trouver maintenant dans le site. Mais non, il y a une barre de recherche. Frère. Mais c'est. Non, j'aime pas comment c'est présenté leur site et tout, j'aime pas. Oh là là! Moi, genre, avec mes deux enfants, j'ai pas le temps de. J'ai pas le temps de rester une heure sur le truc là. Non, il faut que ce soit, bien présenté, ça te donne envie. Et après, tant pis pour toi si quand ça arrive, c'est moche. Mais au moins, c'est bien présenté. Et eux, c'est pas bien présenté depuis que j'ai leur truc là. Depuis. Je trouve ça normal. Sur Fashion Nova, ma liste d'envie, elle est au moins à 300 trucs. Et eux, j'ai que 13. Ça, ça fera très bien le. You're saying bullshit right now. I'm not even gonna listen to you. C'est pas possible, c'est pas possible. Vas-y, vas-y, vas-y. Bah! Voilà, je vais foirer. Oh mon dieu, il est trop il est foiré. Trop moche. Mais c'est à cause de toi, mais tu me saoules. Allez, va te maquiller à la salle. Allez, je me casse. Et je peux essayer un truc. Ça, c'est pas moi, ça, t'as fait toute seule. Si, si, t'es là, tu parles, tu parles. Ça va ou bien? Je vous jure qu'à la base, je sais me maquiller, mais là, je comprends pas. C'est trop de stress qui se passe. Non, franchement, là, c'est n'importe quoi, là. Vous voyez comme mes fossiles camouflent la catastrophe. Donc là, je mets un peu de paillettes dorées, très dorées. Sur le creux. Oh mon dieu, ma mère, elle était fine avec le bled, c'est fini, c'est mort. C'est fini pour nous, c'est fini pour la vidéo, c'est mort. Mais j'ai l'impression que vous voyez rien. Pour creuser un peu. What do you think of my makeup? C'est joli. Non! Non, ça va, tu t'es bien rattrapé sur l'aide. Ouais, parce que franchement, quand tu te rapproches, tu vois que. This is bullshit. Je me prends trop pour une skinny girl. Alors que je suis pas encore tout à fait une skinny girl. Hi! Quoi? Tu vas te filmer en train de te lisser les cheveux? Hein? Tu vas te filmer en train de te lisser les cheveux? Parce que moi j'ai pas fini là. Hein? Arrête, tu vas te filmer en train de te lisser les cheveux toi. Hein? Mais je voulais pas forcément. Bon, ok, donc là ça veut dire que je peux pas me filmer en me lissant les cheveux. Donc vous savez quoi, je vais me lisser les cheveux et bien. On va avancer là. En plus, ils sont déjà lisses tes cheveux. Non, ils sont pas tout à fait lisses. Franchement, voilà, tu vois, ça c'est typique une meuf qui ne connaît rien. Hein, qui ne connaît rien, qui dit que. Non, mais je veux dire, tu veux lisser à mode asiatique? J'en sais rien. Tu vois, ça là, c'est ça qui m'énerve en fait. C'est ça qui non, fait que je. Est-ce que ça, je sors avec mes. Oui, non, mais là maintenant là. Bah, et ou quoi? Non, mais tu veux lisser les cheveux pour aller où? Mais je vais faire mes photos et tout, frère. Ah, c'est joli comme ça, moi je trouve un peu. Mais frère, regarde, regarde devant là. C'est pas beau. T'es trop contre mes succès. Il fait beaucoup trop chaud, je sais, mais bon. Le swag. Tu connais le swag? Voilà, voilà. Voilà ce que ça donne. Donc l'ensemble jaune vient de Zara. Donc je l'ai acheté chez Zara. En fait, la jaquette aussi elle est de chez Zara et le sac aussi. En fait, je suis habillée totale look Zara. Ah, anyway, du coup, c'est la fin de cette vidéo, les gars. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère que vous passez une bonne journée ou une bonne soirée selon le moment dans lequel vous êtes en train de regarder ma vidéo. J'espère que tout va bien pour vous. S'il y a des nouveaux, je vous invite à vous abonner à ma chaîne. Et sinon, bah, laissez-moi un pouce en l'air si vous avez aimé cette vidéo, si vous vous réjouissez de voir une prochaine vidéo tout bientôt ou juste pour le kiff, ça fait plaisir. Moi je vous laisse là et je vous fais gros bisous plein de glace et je vous dis à bientôt dans ma prochaine vidéo. Voilà, portez-vous bien.